Le cheval était un peu frais, il avait besoin de ça. Je l'avais arrêté, il a été arrêté 15 jours pour des petits soucis de santé pas méchants. Et il a pris pas mal de fraîcheur et il avait vraiment besoin d'un boulot comme ça, de le réveiller pour la semaine prochaine. Ouais. On a fait deux petits parcours, un premier gentil pour les chauffer. Et un deuxième, on a roulé en laissant glisser le kilomètre et surtout les derniers 500. Donc non, très bien, très bien. Pourquoi il avait été arrêté? Bah, des petits soucis de santé banals, mais bon, c'est des aléas quoi. Bah, du coup, la suite de son programme, ça va être quoi? Il courra dimanche prochain, le 8, une course fermée. 2700 mètres, ça sera plus à son avantage. Qu'on peut envisager avec ce cheval-là, est-ce qu'on peut aller avec les meilleurs, le plus haut niveau déjà, il l'a montré? Il l'a montré dans les courses précédentes qu'il pouvait affronter les meilleurs chevaux. Maintenant, je dis pas qu'il est meilleur qu'eux, non, loin de là, mais il peut lutter avec eux avec un bon parcours caché et apporter des chevaux de tête. Ouais. Non, il peut être 3-4 dans un critérium ou comme ça, ouais. Est-ce que dès sa rentrée, dès qu'il va courir, est-ce qu'il faudra le suivre avec grand intérêt? Oh oui, bah je dis pas spécialement pour la gagne parce qu'il y a quand même un petit lot comme d'habitude. Et il peut peut-être manquer un parcours, ça fera 2 mois qu'il n'aura pas couru. Maintenant, le cheval est prêt, il l'a montré ce soir, il avait besoin de ça. J'y vais avec des ambitions, on peut être 2-3 comme l'a gagné, tout dépend du parcours. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle depuis sa dernière course, sa dernière disqualification? Oh, elle était un peu fraîche. Je lui avais laissé un peu de fraîcheur après sa victoire et elle était un petit peu fraîche. Elle a fait des bêtises en partant, tombée à l'ombre, bon, rien de méchant. On l'a arrêtée depuis et elle a passé un mois au champ en tout. Et puis bah, de là, on l'a repris très bien, très bien. Elle est sérieuse au boulot, elle se prépare très vite. Ce soir, elle fait un boulot très très sérieux, elle prend pas dur. Donc elle va recourir avant la fin du mois, avant Noël, je pense qu'elle va recourir. Est-ce qu'on pourra la suivre d'entrée de jeu? Pourquoi pas, tout dépend de comment elle va se comporter. Ça sera pas spécialement le but de faire feu, mais c'est la jument à courir cachée, elle démarre, on sait jamais, même une rentrée derrière les chevaux de tête, elle peut venir finir et faire une belle ligne droite, ouais. Et donc un bel hiver à faire avec ces deux-là? Oui, tout à fait, oui. Ouais. On devrait se faire plaisir, ouais.